Bonjour, c'est Mamie Python. Voilà, donc nous avons deux bébés qui sont nés un petit peu tard et qui ne peuvent pas hiberner, deux bébés tortues, vous voyez, elles sont vraiment pas grosses, pas épaisses. Donc ces bébés-là, je vais les mettre dans ce terrarium. Alors, je viens de me procurer un terrarium qui peut faire aussi bien pour aquarium d'eau douce que d'eau douce de tortue d'eau ou tortue de terre. Voilà. Donc j'ai pris ce petit terrarium, donc voilà, comme ça, voilà. Et je me suis procuré donc la lampe qui fait chauffage et soleil. Et je vais l'aménager tout de suite, voilà. Voilà. Donc, je vais poser mes bébés dans un petit coin. Hop. J'ai acheté une terre spéciale et je vais en mettre une bonne couche. Voilà. Hop. Mes petites puces. Attendez, je vais vous mettre là pour l'instant dans la gamelle d'eau, il n'y a pas d'eau. Hop. Voilà. Donc j'étale mon substrat, j'en ai mis une bonne petite couche. Je vais placer la nourriture au milieu. Je vais placer la petite gamelle d'eau dans laquelle je mettrai l'eau. Voilà. J'ai branché une lampe pour qu'il y ait 9 heures d'ensoleillement au point chaud ici, qui fait aussi bien chaleur qu'UV. Voilà. Ensuite, au point nuit, je vais mettre un petit peu de paille, enfin de foin, comme pour les grandes dans le parc, parce que j'ai un parc mais qui est à l'extérieur, où elles hibernent toutes seules quand elles sont suffisamment grosses. Voilà, un petit peu de foin. Elles sont toutes mimi. Voilà pour ça. Je vais leur remettre leur petite cache. C'est un pot en terre. Elles adorent se mettre dessous. Voilà. Voilà. Ici, comme ça. Et maintenant, je vais leur mettre une ou deux souches. Enfin, ce n'est pas des souches, ce sont des écorces de pin que j'avais dans mon jardin. Et que je vais mettre comme ça, si elles veulent rester au chaud, mais sans trop d'UV. Voilà, elles iront se cacher dessous s'il y a trop de... Voilà, la salade... Il faut quand même qu'elle puisse passer. Bon, ben la salade, je ne vais pas la mettre dans une assiette. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Je vais en mettre une feuille ici et une feuille là. Alors, mes filles. Voilà, mes petites filles. Voilà. Et le tour est joué. J'ai plus qu'à mettre un petit peu d'eau dans leur soucoupe. Et bien sûr, elles vont se cacher de suite. Les voilà. Et elles vont pouvoir passer tout l'hiver et je les libérerai au printemps et je les mettrai avec toutes les autres au printemps. Voilà, c'était Mamie Python. Je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo et je vous dis à très bientôt.